têtes qui en ce moment animent aussi la grosse émission sur Comédie, ce qui confirme qu'il préfère les grosses, Titoff. C'est vrai, hein. C'est vers quelle heure la grosse 18h22. 18h, c'est précis, dites donc. Pourquoi ils vous ont mis un horaire aussi précis pour vous? C'est une chaîne d'humour, alors je pense que déjà, c'est l'accroche est déjà humoristique. Tu vois, ah oui. 18h22, c'est le petit tous détail les qui tue. Oui, pendant deux semaines encore. Ils ont repris le système de l'époque de Dominique Farrugia, où tu sais, il y avait l'animateur tournant. Donc voilà, on s'amuse beaucoup. J'ai reçu Arnaud de sa mère hier soir, on s'est bien marré. Ah ben c'est bien alors. Et voilà. Ça s'appelle La Grosse Émission. Ça s'appelle La Grosse Émission, ouais. Et ben moi hier soir, je l'ai regardé, personne ne me le demande, mais je vous le dis quand même. J'ai regardé La Stagiaire avec Michel Bernier. Ouais. Et ben c'est très bien. Oh. Merci. Qu'est-ce qu'elle a une bonne mentalité, elle est jamais jalouse. Non, mais c'était assez rare pour le dire parce que je regarde jamais de feuilleton français, voilà. Ouais. Et là, j'ai bien aimé, voilà. Mais à son âge, elle est stagiaire de quoi? Justice. Ah. Je suis auditrice judiciaire, on appelle ça. En fait, la vérité, c'est que je voulais regarder Person of Interest sur la U. Yeah. Non. Ça se gâte. Ben, mais juge un peu de la situation. J'étais dans. Jugeons de la situation. J'étais dans l'hôtel. Oui. Et c'était en anglais. Impossible de l'avoir en français. Oh, alors que Michel, elle parle bien le français. Yes, of et course. Ben voilà, c'était la seule chaîne en français. Tu étais à l'hôtel. J'ai eu du bol. Et ben non. Et ben j'ai pas regretté. Eh ben merci, voilà. Isabelle. Tu étais à l'hôtel hier soir. Oui. Comment ça se fait? Ça, il a raison. Et ben, c'est rapport que je me réveille vachement tôt et que pour venir ici et que de là où j'habite, c'est enfin. Mais non. Là, attendez, j'ai pas ma dose de café. Et là où j'habite, il me faut plus d'une heure pour venir. Parce qu'en plus, c'est un hôtel où ils servent pas le café. Il faut te lève avant 15h alors. Mais est-ce que c'est-à-dire une heure pour venir, ça? C'est-à-dire que si je pars à 7h du matin, j'arrive ici à 8h30, et c'est beaucoup trop tôt. C'est à 16h l'émission. Mais si je pars à 7h30, je ne serai pas là à 10h. Donc c'est pour ça que je vais à l'hôtel. Ah ben heureusement que vous lui avez remonté le moral avec votre série hier soir, à Michel Bernier. J'ai eu la chance. C'est très compliqué. C'est vachement bien. Ouais. Elle est très bonne comédienne. Sans rire. Mais je comprends. je comprends maintenant que vous la préfériez à moi maintenant, mais bon. Ah oui. C'était pour en arriver là. C'est une actrice pour le théâtre Antoine. Bon, fou, je vais faire un carton aux 10 heures. C'est donc... fini déjà la pièce avec la grande chanteuse? Oui, oh bah d'ailleurs, merci d'être venu. Je sais que Laurent Ruquier t'a dit « Attendez un petit peu, Karine, qu'elle se rôde. » Ça faisait 5 mois qu'on y était. Je pense qu'on ne pouvait pas être plus rodé que ça. Mais après, il m'a dit « N'y va pas, c'est un bide. » Ah non, non, j'ai jamais dit ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il n'y a qu'à regarder les chiffres, ça ne l'était pas. Hein. Non, franchement. Non,